And grace. Oh my. Amen. Sin grace. How sweet the sound. N'est-il pas merveilleux? Oh, hallelujah! What a presence! Oh, quelle présence! Sound. Glory! Oh, one more time. What can we do? Encore une fois, que peut-on faire? In the balcony, amazing grace. Au balcon, au sous-sol. Oh, he's here today. Grâce étonnante, il est ici aujourd'hui. Oh my, we can go home now. Oh, nous pourrions rentrer à la maison maintenant. Oh, like me, glory. Thank you, Lord. Oh, gloire à Dieu, merci Seigneur. My, thank you, Jesus. Glory. Would you just bow your heads in a word of prayer? Courbez la tête dans un mot de prière. Je vous demande de prier pour moi. I'm finished right now. Je suis déjà fini maintenant même. Et je dois prêcher un message ce matin. Thank God for the Fiores. Je remercie Dieu pour les Fiores, les Belomos. And Robledo's had a prayer meeting last night. Et les Robledo ont eu une réunion de prière hier soir. And they were praying for me. Et ils ont prié pour moi. Amen. Among other things. Parmi d'autres choses. And Brother Joey told me this morning. Et frère Joey m'a dit ce matin. From about 9 p.m. Depuis 9 heures. He had gotten together with the Fiores. Il s'était rassemblé avec les Fiores. To about 9:31 or so. Vers 9:30 environ. A real experience came into their home. Et une vraie expérience est descendue dans leur maison. That was the exact time that I needed because I had to finish this message to 12:30. Et c'est exactement au moment où j'en avais besoin parce que je devais terminer ce message vers 8:30. Et ça fait des années et des années que je n'ai pas fait ça parce que je ne pouvais pas me lever avant 4 heures du matin. Je suis trop fatigué. Ainsi, le Seigneur m'a fortifié hier soir pour préparer ce message. Ainsi, je demande pour cette sorte de foi à nouveau de prier pour moi, de pouvoir prêcher aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as fait. Nous croyons que tu as guéri ces gens ici. Nous croyons que Harito va se lever de ce lit. Et peut-être, Seigneur, tu le laisses là jusqu'à ce que la famille revienne et mette les choses en ordre. Je ne sais pas pourquoi il est là, mais que Sœur Rivera, frère Rivera et la famille reviennent ici. Amen.
Amen. Seigneur, fortifie ton serviteur. Oh Dieu. Et guéris toutes ces personnes pour qui Frère Nino a prié. Seigneur, que le feu tombe sur eux pendant la réunion et que ces cas difficiles, comme le petit Micah, l'ange est venu vers lui. Que l'ange vienne vers les cas difficiles. Il commence à manifester leur guérison. Et maintenant, Seigneur, oint ta parole pour ce message spécial aujourd'hui. Et je ne sais pas combien de temps je suis censé avancer. Je ne suis pas censé être là. Mais tu as envoyé un message spécial. Amen. Nous prions et nous demandons la bénédiction au nom de Jésus. J'invite votre attention à la lecture de la parole. Amen. Exodus, 19th chapter. Exode 19. Revelation, the 4th chapter. Apocalypse 4. Revelation, the 10th chapter. Et Apocalypse 10. Amen. Reading from Exodus 19:14. Exode 19:14. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Amen. Verset 14. And Moses went down from the mount unto the people and sanctified the people and they washed their clothes. Moïse descendit de la montagne vers le peuple, il sanctifia le peuple et ils lavèrent leurs vêtements. And he said unto the people, be ready against the third day, come not at your wives. Et il dit au peuple, soyez prêts dans trois jours, n'allez pas vers vos épouses. And it came to pass on the third day in the morning that there were thunders and lightnings and a thick cloud upon the mount and the voice of the trumpet exceeding loud so that all the people that was in the camp trembled. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp tremblait. And Moses brought forth the people out of the camp to meet with God. And they stood at the neither part of the mount. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu, et ils se placèrent au bas de la montagne. And Mount Sinai was altogether on a smoke, because the Lord descended upon it in fire, and the smoke thereof ascended as the smoke of a furnace, and the whole mount quaked greatly. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait avec violence. And when the voice of the trumpet sounded long and waxed louder and louder, Moses spake, and God answered him by a voice. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. And the Lord came down upon Mount Sinai on the top of the mount, and the Lord called Moses up to the top of the mount, and Moses went up. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne. L'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne, et Moïse monta. Amen. Revelation 4. Apocalypse 4. Verset 1. After this I looked, and behold, a door was open in heaven, and the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. Après cela, je regardais, et une porte fut ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue me parla comme une trompette. Et il me dit, monte ici, je vais te montrer les choses qui vont arriver dans la suite. Et immédiatement, je fus en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Was to look upon like a jasper and a sardine stone, and there was a rainbow round about the throne in sight
like unto an emerald. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. And round about the throne were 24 seats, and upon the seats I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 anciens, revêtus de vêtements blancs, et sur leurs têtes, des couronnes d'or. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices, and there were seven lamps of fire burning before the throne, which are the seven spirits of God. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. In Revelation 10:8, et Apocalypse 10:8, the voice which I heard from heaven spake unto me again, and said, Go and take the little book which is opened in the hand of the angel which standeth upon the sea and upon the air. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. » And I went unto the angel and said unto him, « Give me the little book. » He said unto me, « Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. » Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais dès que je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Et il dit à moi, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Il me dit, tu dois prophétiser de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. May God the blessing. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Well, we thank God today. Eh bien, nous remercions Dieu aujourd'hui. Un message spécial. And this tape, video tape. Et cette bande, cette bande vidéo, j'ai dit à mes amis que c'est une bande spéciale, un message spécial. Ainsi, je vous l'enverrai. Mais si vous ne le comprenez pas, et si vos gens ne le comprennent pas, ne me posez pas de questions. Amen. So I just want to share with you. Ainsi, amen. Je veux partager ça avec vous. Ainsi, je suis libre de prêcher ce que je me sens conduit de prêcher. Eh bien, j'aimerais donner un titre à ce message, La voix de la trompette. Nous voyons notre sœur Iris Negron de Porto Rico. Et elle est au sous-sol et nous la saluons. Et nous voyons Mikey ici. Que Dieu te bénisse, Mikey. Nous sommes heureux que tu sois là. Et il ne savait même pas que son frère allait être ici mercredi soir. Ainsi, le Seigneur a appelé les deux frères à revenir. L'un ne savait pas que l'autre allait venir. Et Mikey m'a téléphoné l'autre soir et il m'a dit, je pense que c'était hier soir, vendredi soir. Gloire à Dieu. Et il me disait comment une puissance l'avait saisi, et comme s'il ne pouvait plus parler et dire ce qu'il voulait dire, son esprit était lié, et j'ai dit, prions. Et j'ai dit, maison de l'enfer, cède le pas au nom du Seigneur. Et immédiatement, oh, frère Coleman, mon esprit revient à moi. Et il a commencé à me parler. Et alors il a dit, attendez une minute, quand j'étais là, n'y avait-il pas quelque chose au sujet d'une pyramide, sept tonnerres? Est-ce qu'il n'y avait pas une sœur Mina ou quelqu'un? J'ai dit, Hermina. Il a dit, oui, de Jamaïque. J'ai dit, oui. Oui, tu reviens à toi. Et tu as eu un songe en 1975 de la pyramide. Tu te souviens, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas t'en aller. Il a dit qu'il voulait être là. Il me parlait de la puissance de Michael Jackson
et tous ses disciples. Vous avez remarqué cette fois-ci, les Beatles et Elvis Presley, ils ne sont pas allés aussi loin. Mais Michael Jackson, il va même vers des enfants de 2 ans, une petite fille. C'est pourquoi je reprends ce démon sur le petit-fils de ma sœur. C'est un démon, là, qui vient du fond de l'enfer. Oh, frère, qui peut dompter ces démons? La voix de l'archange. Gloire à Dieu. Quel message. Quelle saison. Quel temps. Tout est en saison. Nous franchissons le tournant, nous sommes prêts. Nous avons été formés pour faire face à ces démons. Nous n'avons pas peur d'eux. Nous avons l'autorité sur eux. Nous avons la puissance sur eux. Gloire. Frère Branham a parlé dans les Hébreux, à la dernière page. Cette ville, au jour du jugement, devra répondre par un grand prix. Car il y a eu des centaines et des centaines de guérisons ici même. C'est juste. Ici même, des signes et des prodiges, et l'apparition de l'ange ici, et les journaux en ont parlé et tout, et malgré tout, les gens, qu'est-ce que c'est? Dans cette ville, l'ange est ici, les morts ont été ressuscités, toutes sortes de choses dans cette ville. Et les tonnerres sont ici, le tonnerre, les éclairs. Et malgré tout, ils viennent contre cela. Et malgré tout, ils ne comprennent pas. Pourquoi? Pourquoi? Oh, gloire à Dieu. Un jour, je vais m'en aller. Je me pose des questions. Quelle sera ma fin? Est-ce terminé? Est-ce que c'est sur le point? J'ai 48 ans. Est-ce que c'est presque terminé? Je me demande. Si c'est le cas, regardez. Pourquoi est-ce que le monde n'a pas réalisé cette photo-là? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas saisi ça directement? Pourquoi n'ont-ils pas saisi les autres choses? Pourquoi ne saisissent-ils pas ces prophéties? Vous savez, ils ne peuvent pas le faire maintenant. Mais un jour, je vais quitter le monde. Et quand je partirai, alors, ils vont le reconnaître. Oh, gloire à Dieu. Certains parmi vous, jeunes gens, vous allez réaliser, après mon départ, mais il ne permet pas que ce soit fait maintenant. Dans la vision, là, se tenant dans le soleil, il avait 2 points culminants, et les gens ont eu faim, et il donnait un arrière-plan avec toutes ces citations depuis 9 ans. 1 heure et demie, 2 heures, et beaucoup eurent faim, et ils sont partis. Mais quand les ombres du soir tombent, vous serez de retour. Les ombres du soir tombent, et ils commencent à revenir dans la maison de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Notre prophète a prophétisé qu'il reviendrait. Et maintenant, ils reviennent. Ne t'inquiète pas, sœur Brunilda. Tiens fermement la main de Dieu. Gloire à Dieu. Oh, je viens juste de saisir ton esprit maintenant même. Tu peux croire et ne doute pas. Tu pourras voir ce que tu dis. Junior reviendra. Et il n'y a aucune puissance qui peut le retenir. Gloire. Amen. Praise God. Et frère Mikey, n'importe quand, quand tu veux venir ici, viens simplement et nous prierons pour toi et Dieu te délivrera. Ainsi, j'ai un titre, La voix de la trompette. Et vous asseoir. Et mon sujet, c'est « Monte ici ». Amen.
Et l'appel à la résurrection, c'est mon inspiration. Aujourd'hui, l'appel à la résurrection par la voix de la trompette. Gloire! L'appel à la résurrection, la deuxième identification de la venue du Seigneur est identifiée par un ministère qui est exactement comme la vie de Christ. Maintenant, vous n'allez pas identifier la voix de l'archange à moins que ce soit la même vie, les mêmes signes, les mêmes prodiges. Amen. Et sinon, oubliez ça. Gloire. Quel défi de savoir que vous prêchez pour cela et de savoir que vous allez devenir cela. Il y a trois dons de l'esprit: la sagesse, la connaissance et le discernement des esprits. Et il y a trois dons vocaux: les langues, les interprétations et les prophéties. Et puis il y a de la puissance, et la foi vient sous la puissance, et de même les miracles, et de même les guérisons. Le don de guérison, c'est la puissance. La foi est une puissance. Amen. Gloire. Il y a quelque chose au sujet de la foi. Quelque chose que Dieu vous a révélé. Oh là là. Ça va au-delà de la pensée, au-delà de ce qui est vocal, au-delà de tout. C'est une puissance. Une puissance surnaturelle. Et les sept tonnerres donnent la foi pour la grâce de l'enlèvement. Qu'est-ce que c'est? Une puissance. Alléluia. Vous pouvez connaître toutes choses par connaissance, par la sagesse, par... gloire à Dieu, par la sagesse et la connaissance et le discernement des esprits. Vous pouvez parler en langue, vous pouvez interpréter les langues, vous pouvez prophétiser. Ça ne signifie rien si vous n'avez pas la foi. Où allez-vous courir? Comment pouvez-vous sortir d'ici? Mais je remercie mon Dieu. Il a fait descendre les sept tonnerres. Et les sept tonnerres donnent la foi pour vivre une vie sainte, pour s'en aller d'ici. J'ai entendu la voix de la trompette. Monte ici. Je suis élevé. Je suis dans l'esprit. Je ne sais même pas de quoi vous parlez. Frère Coleman, ceci est arrivé. Frère Coleman, cela est arrivé. Je suis dans l'esprit. Le jour du Seigneur, le Seigneur lui-même est descendu au temps du soir. Il est ici. Nous avons déjà entendu la voix. Monte ici. Gloire. Alléluia. Alléluia. Oh là là. Vous pouvez vous asseoir. En commençant le 2 avril, lundi soir, mardi soir, mercredi soir et jeudi soir, nous avons la prière et le jeûne spécial. Pas de visite. Nous ne voulons pas des esprits étranges ici. Je m'attends à ce que des gens soient scellés, quoi que ce soit. Je ne veux pas des esprits bizarres. Ceci, c'est l'Église. Et nous voulons sortir vers 21h30 chaque soir. Et nous aurons des jeunes hommes qui vont venir et parler pendant environ 15 minutes. Voyez-vous, ils sont en formation. Amen. Voyez-vous. Et alors, vendredi soir, je vais rencontrer les prédicateurs et les diacres et les anciens et les huissiers et les administrateurs, parce que nous devons avoir tout en ordre. La bataille est prête. J'ai formé ces troupes. Mais Sœur Bellemo a dit que ce n'était pas moi, c'était le Seigneur Jésus-Christ dans le songe.
Gloire à Dieu, amen. Mets ton église en ordre. Nous devons avoir les plans de bataille. Car la bataille est maintenant prête. Mets ton église en ordre. Forme-les. La discipline, le jeûne, la prière. Se préparer pour la bataille. La discipline. Frère Tommy me disait que la discipline, je crois frère Hunt dans son dictionnaire, dit que ça voulait dire le salut de l'esprit, discipliner votre esprit afin de ne pas dire n'importe quoi. Ça pourrait vous sauver un jour. Oh, la discipline, est-ce pour ça que vous priez comme cela? Afin que vous soyez formés, la formation de l'enfant. Donc, un petit message ce matin, et c'est pour placer ici, entre le sixième tonnerre de la piété et le septième tonnerre de l'affection fraternelle. Et dimanche prochain, nous allons parler de l'affection fraternelle et j'aurai terminé. Oh là là, gloire à Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de revenir à mon message de Fort Wayne le 3 juillet l'année passée, le brisement du septième sceau. Et j'ai pris mes notes, j'ai écouté la bande et je suis arrivé à un certain endroit. Et je ne suis jamais entré dans mon message. Le Saint-Esprit a arrêté le message là. Il a déversé le Saint-Esprit. Et pendant environ 6 mois, environ, et il m'a dit ce matin de revenir aux notes qui étaient là concernant le brisement du septième sceau en juillet. Un message spécial entre le sixième tonnerre et la septième trompette. Là, de venir là entre les deux. Peut-être que c'est le message suivant. La colombe conduisant l'aigle. Gloire. Ici, dans le brisement du septième sceau, numéro 1. Je ne suis vraiment jamais entré dans le message. Numéro 2, le septième sceau fut brisé après avoir fait ces remarques. J'ai dit, le Seigneur est encore sans trône dans cette église sur la terre. Il doit entrer dans votre cœur pour placer sa tête, comme avec Pierre, dans Actes 5. Il était sur le trône de Pierre. Et Ananias et Saphira ne le savaient pas que la pierre de fait était là. Et beaucoup aujourd'hui, la pierre de fête, c'est le sept tonnerre. Dans ce message, et ils ne veulent pas la placer là. C'est pourquoi ils ne peuvent pas avoir sa présence. Et beaucoup d'églises sont mortes. L'ange de la mort est là. Et cependant, Apocalypse 10, Malachi 4, Saint-Luc 17, 30, tout ça a été révélé. Le septième sceau est ouvert et Christ est sur la terre après le départ du prophète. Apocalypse 10, 8 le dit. Et selon Apocalypse 10, 8, le livre est ouvert dans sa main. Et il n'y a personne qui veut manger tout le rouleau, si ce n'est quelques fanatiques, là, autour du monde. Gloire à Dieu. Et j'étais sur le point de dire ce qui suit, mais avant de pouvoir le dire, le feu est tombé. Et voici ce que j'étais sur le point de dire. Les sept tonnerres ont été révélés, et cependant, Christ, généralement, il n'est pas reconnu. Depuis que Malachi 4 a quitté la scène. Et je reprends ce message-là maintenant. Et quand il n'est pas reconnu, sa puissance n'est toujours pas révélée. Vous pouvez rester ici jusqu'au jour du jugement. Et si vous ne reconnaissez pas que ceci, c'est Jésus-Christ, vous n'aurez rien.
Rien ne vous sera révélé, rien du tout. Peu importe combien vous priez, peu importe combien de brochures vous lisez, combien de bandes vous entendez, mais si vous ne réalisez pas que Dieu est dans ce lieu, alors, pas de puissance, rien ne peut vous arriver. Vous avez bouché les puits. Peu importe combien Dieu est présent, le prédicateur doit identifier la parole pour cet âge-ci. Numéro 1, vous devez l'entendre et le croire. Numéro 2, vous devez reconnaître que c'est scripturaire et que cela vient du message du prophète. Ça vient de la Bible. Et après cela, alors, vous devez agir. L'ange est ici ce matin. Vous devez venir vers cet ange et lui dire, « Donne-moi ce livre. » Seigneur, pendant 10 ans, je n'ai jamais compris Frère Coleman. Je pensais que c'était lui. Et maintenant, je vois ses guérisons. Je vois le salut parole parlée. Et Seigneur, je sais que la voix de l'archange est à New York City. Donne-moi ce livre. Donne-moi ce livre. Je dois l'avoir. Vous y voilà. Oh là là. Vous voulez dire en commençant aujourd'hui, vous devez agir sur cette base, sinon vous ne pourrez pas être béni. C'est exact. Aujourd'hui, Dieu a envoyé Malachi 4 pour confirmer le livre de l'Apocalypse à l'épouse, pour le révéler, pour l'ouvrir, pour le découvrir, pour briser les sceaux, pour le manifester. Le septième sceau, Christ, se trouve ici, à New York City, et tous ces autres groupes dans le monde, les groupes qui croient que les sept tonnerres donnent vraiment la foi pour la grâce de l'enlèvement. Voyez-vous, vous devez l'entendre et le croire et reconnaître que c'est scripturaire et puis agir. Et le déversement du Saint-Esprit dans nos groupes est un signe de son apparition à nouveau. Revenant vers nous dans la puissance de résurrection. Vous ne pouvez pas imiter une révélation. Car petit à petit, il y aura la pression. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez les sept tonnerres à moins d'avoir une révélation. Parce que c'est une vie. Ainsi, votre témoignage et votre vie, ça ne marche pas ensemble. Vous parlez d'ici et pas de là. Et alors, en cette heure, en 1984, ça sera dévoilé. Voilà pourquoi le Seigneur a parlé de la piété là, pour les gens. Il a essayé de vous arrêter. Il vous a donné 2 semaines de penser à ces choses, de jeûner, de prier, avant que ce septième tonnerre ne sorte. Alléluia. Qu'il vienne ici aujourd'hui avec un message spécial. Voilà pourquoi le Seigneur a fait qu'on lise ces notes de louange. Afin que vous sachiez qu'un homme ne peut pas mettre un nouveau disque dans le dos de quelqu'un. Gloire à Dieu. Vous devez reconnaître que c'est sa présence. Gloire. Vous devez d'abord être inspiré par révélation vers cette écriture, vers cette promesse. Et s'il est dit que les sept tonnerres, c'est pour l'épouse, vous devez être inspiré. C'est à moi. Donne-le-moi. Gloire. Vous devez avoir une révélation pour comprendre cette citation. Une révélation pour comprendre cette écriture. Vous devez être appelé vers cette écriture dans votre saison et en votre temps.
Alors par révélation, le prophète a dit révélation. Gloire. Oh, gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Dans Apocalypse 4, la révélation de Jésus-Christ, chapitre 4, le livre 11, page 573, paragraphe 130. Gloire à Dieu. Frère Branham cite Saint Matthieu 16. Vous savez, qui les hommes disent-ils que je suis? Et au paragraphe 130, et après la confession roc de Pierre, ce que nous savons, que c'est sa confession qu'il allait construire son église sur le même roc. Pas Pierre, une petite pierre, comme les catholiques romains essayent de le dire. Voici ce que c'est. L'église est bâtie sur ceci. Mais la confession de Pierre, de la révélation, c'est ça l'Église. Aujourd'hui, une confession de la révélation, de les sept tonnerres qui donnent la foi, c'est ça l'Église. Et beaucoup ne veulent pas confesser cela. Mais c'est l'Église. Voilà comment il édifie son Église dans chaque âge. La foi, ils l'ont confessé. Cela a tonné de Dieu. Et jusqu'au sommet. Et maintenant, tous les sept tonnerres se sont rassemblés, révélés par le prophète. Et nous avons une révélation de ce qu'ils sont. Sept tonnerres, sept voix, sept âges de l'Église, sur le roc de cette confession, j'édifierai mon Église. Ils ne peuvent plus se cacher dans le message. C'est fini. Alléluia. La voix de la trompette est ici. Gloire à Dieu. Oh non, vous êtes fini maintenant. Alléluia. Non, non. Mais la confession de Pierre, de la révélation, c'est ça l'Église. Dieu va le révéler. Pas la confession de cet homme-ci, parce que plus tard, Pierre a rétrogradé. Combien ont rétrogradé dans la révélation de sept tonnerres? Ils sont retournés, mais ils n'avaient pas de révélation. Ce n'est pas une confession de lui étant le Fils de Dieu. Est-ce que je peux répéter ça? Il savait déjà. Il était le Fils de Dieu. Et parce qu'ils étaient là. Ils avaient été à la pêche ensemble, etc. Ils le connaissaient par association. Ils le connaissaient par la vue des yeux. En ayant vu tous les miracles, ils avaient vu toutes ces choses. Mais il ne parle pas de ces gens-là. Ce n'est rien. Où seraient les Africains? Où seraient les hindouistes? Où serait l'Europe? Ils n'étaient pas ici pour marcher avec lui. Ça doit être une révélation du ciel. Oh, je suis sur mon tremplin maintenant. Ce n'est pas une confession de lui étant le Fils de Dieu, parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce que vous savez ce que je dis? Vous ne pouvez pas confesser et dire que Frère Branham a apporté les sept sceaux, les sept tonnerres. Nous savons tous cela. Mais que sont-ils? Je n'ai pas honte de l'Évangile. Des paroles. Que sont les sept tonnerres? Quand allez-vous confesser cela? Quand avez-vous commencé à le confesser? En 1974? Pas avant. Gloire. Ils essaient de contourner cela.
Ils savaient qu'il était le Fils de Dieu. Et nous savons qu'il a dit sept tonnerres. C'est ici même dans la brochure de sept sceaux. Combien de révélations? Combien dans le message ont une révélation que les sept tonnerres ont rassemblé l'épouse? Les sept tonnerres lui ont donné la foi. Les sept tonnerres lui ont montré comment s'en aller d'ici. Les sept tonnerres, c'est le réveil de l'épouse. Quand ils confesseront cela, ils seront dans l'Église. Donc, ce n'est pas savoir qu'il est le Fils de Dieu, ce n'est pas savoir qu'un prophète est venu et a prêché sept sceaux, qu'il a révélé tous les mystères, ce n'est pas encore ça. Non! Qui les hommes disent-ils que je suis? Seigneur, ils ne savent même pas qui tu es. Ils pensent que tu es Élie, certains pensent que tu es Jérémie, certains pensent que tu es cet homme-ci ou celui-là. Je sais qu'ils ne le savent pas. Voilà pourquoi je vous ai posé la question. Et parce que je sais que vous allez savoir. Ainsi, vous, qui dites-vous que je suis? Et tout à coup, cela tonnait. Des éclairs ont flashé dans le ciel. Et Dieu a parlé. Cela a tonné dans le cœur de Pierre. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et bien que Pierre ait été à la chasse, à la pêche, qu'il ait chassé des démons et qu'il ait fait toutes ces choses, il ne savait toujours pas jusqu'à ce que cela tonne. Et Dieu parle, c'est un tonnerre. Alléluia. Glory, glory. Gloire à Dieu. Amen. Parce qu'il savait qu'il était le Fils de Dieu. Pierre venait de le dire. Mais ce que c'était, voici le prophète qui revient. La révélation avait été révélée du ciel qu'il était le Fils de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Je ne peux pas vous le révéler. Et vous, là, qui écoutez, votre pasteur ne peut pas vous le révéler. Ici, je sais dans cette église qui a les sept tonnerres. C'est parce qu'ils ne vivent plus comme ils vivaient avant. Plus de médisance, plus de mauvais soupçons. Ils ne viennent plus contre le pasteur parce que cela a tonné. Voilà comment je sais. Votre vie a changé. Il n'y a pas d'autre manière de le savoir. Oh là là! Que le feu sorte là-dessus! Pourquoi? La révélation doit venir du ciel. Et quand elle vient du ciel, vous ne ferez jamais marche arrière. Alléluia. Frère Joe et les diacres, ils ne doivent pas s'inquiéter d'aller chercher quelqu'un qui est rétrograde. Parce qu'il y a un tonnerre dans leur âme. Et, oh Dieu, que dois-je faire? Jour et nuit. Seigneur, que ferai-je? Je ne peux pas t'abandonner, Seigneur. Je ne peux pas partir. Toi seul as les paroles de la vie éternelle. Ce n'est pas venir au souper du Seigneur et s'asseoir à l'arrière et ne pas prendre la communion. Vous n'avez pas les tonnerres. Vous avez des tonnerres intellectuels. Gloire à Dieu, amen. Si vous ne le prenez pas, vous n'avez pas de partie avec moi. Vous n'avez pas de part avec moi. Alors quelque chose doit aller de travers. Pourquoi est-ce que ça ne va pas? Vous avez besoin d'une révélation aujourd'hui. Oh, que cela tonne de la montagne de Dieu pour vous changer, pour consumer ces démons. Et vous ne viendrez plus contre le pasteur.
Vous pensiez avoir les tonnerres. Vous n'aviez pas les tonnerres. Comment Dieu peut-il venir contre Dieu? Comment Dieu peut-il tonner en vous et tonner en moi et que vous veniez contre moi? C'est impossible. 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 Si vous avez les sept tonnerres du ciel, vous ne viendrez jamais contre moi. Vous allez m'aimer. Vous allez prier pour moi. Oh, je suis malade, mon gars. Allons, frère Coleman. Reprenez ces démons. Faites-les sortir d'ici. C'est plus doux que le miel. Si vous avez les tonnerres, nous allons nettoyer la maison à partir de maintenant. Les soi-disant croyants, au revoir. Les incrédules, au revoir. Vous allez sortir par le feu. Vous n'allez plus rester ici. Je ne vais pas vous mettre dehors. Votre propre vie sera exposée, dévoilée. Que dit la Bible? Ils nous ont quittés parce qu'ils ne faisaient pas partie de nous. Ils ne faisaient qu'imiter. Gloire! Et vous avez le Saint-Esprit? Oh, faites sortir ce démon! Ne mettez pas cet esprit-là dans votre maison. Maman, si votre fille a le Saint-Esprit, frère, si votre fille a le Saint-Esprit, ne la laissez pas mettre un sale démon dans votre maison. Peu importe ce que vous ressentez. Comment est-ce que vous vous sentez? Qu'est-ce que vous pensez que Dieu a senti au calvaire? Ayez la victoire sur votre sale chair. Si vous ne vous sentez pas bien, que le tonnerre sonne dans votre âme. Sortez de là. Et dites que Dieu te bénisse, sœur. Que Dieu te bénisse, maman. Que Dieu te bénisse, frère. Oh, le diable va s'en aller. Gloire! Vous êtes en train d'être délivré. Qui parle? La voix de la trompette. Alléluia. Dieu sait comment traiter avec ses commères. Dans le sud, nous disons, laissez, mais Dieu va s'occuper lui-même de ses petits, de ses commères. Amen, frère Benson. Je te vois en train de sourire, sœur Stringfellow. Gloire à Dieu. Je vais m'occuper des miens. Amen, sœur Mary. Et vous prouvez que vous avez des petites commères. Oh, je vois ce sourire, ce beau sourire là. Qui dites-vous que c'est? Oh, un message spécial pour délivrer les gens avant dimanche prochain. Quelle délivrance aujourd'hui! Par la parole parlée. Il n'y a personne ici. Il n'y a pas de démon assez fort dans cette église aujourd'hui pour retenir qui que ce soit. Gloire à Dieu! Et peu importe s'ils se tordent ainsi ou s'ils se tordent ainsi, maison de l'enfer, cédez le pas au nom du Seigneur Jésus-Christ. Gloire. La révélation avait été révélée du ciel qu'il était le Fils de Dieu.
Alors ils sauront qu'il est mon Seigneur. Les tonnerres, c'est mon Seigneur. Ce n'est pas Frère Coleman qui essaye de me faire faire ceci ou me faire faire cela. C'est mon Seigneur. La parole pour cette saison du prophète. Cet homme ne fait que de la prêcher. Merci Seigneur parce qu'il le prêche. Parce que ma théophanie a besoin de vitamines. Et si Frère Coleman ne le prêche pas, Dieu va appeler un babouin ici pour le prêcher. Donc je dois le prêcher. Je dois le prêcher. Je prêche pour Frère Mikey aujourd'hui. Dieu va te libérer aujourd'hui. Gloire! Merci Jésus. Oh là là. Alléluia. Merci Jésus. Dieu Tout-Puissant. Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, Mikey, Michael est rentré à la maison. Gloire, Père, je chasse tous les démons de lui, toute la convoitise, la souillure, et aujourd'hui, qu'il reçoive son salut, parole parlée, dans le nom de Jésus-Christ. Sanctifie-le, qu'il soit rebaptisé, qu'il soit rempli du Saint-Esprit et de feu. Au nom de Jésus-Christ, maison de l'enfer, tu es vaincu maintenant. Mikey est libre. Gloire! Maintenant, Mikey, sois baptisé et va chercher ton frère Bobby et ramène-le ici. Au nom de Jésus-Christ, gloire à Dieu. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Glory. May the glory of God fill the basement. Que la gloire de Dieu remplisse le sous-sol. Délivre tous ceux qui sont là. Que la puissance de Dieu remplisse là, au balcon. Que la puissance de Dieu délivre les gens ici aujourd'hui. Hallelujah. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Glory. Thank you, Lord. Glory. Amen. How do you feel? Comment te sens-tu? Raise your hands. Lève les mains. Glory. Gloire. Libéré devant vos yeux par la parole parlée de Dieu. C'est le temps de la famille. Sylvia, tiens fermement la main de Dieu. Herman va venir. Maritza va venir. Souviens-toi de ce songe. Quel démon peut le retenir aujourd'hui? La voix de l'archange et la voix de la trompette. Alléluia, gloire à Dieu. Par révélation, j'ai entendu une voix. Monte ici. Savez-vous ce que je dis? Apocalypse 4. Gloire. Oh, gloire. C'est l'enlèvement. Et Frère Branham a dit, je suis fini. Alléluia. Voici le message. Je n'en ai pas besoin. Prêche la parole. Allez après les âmes perdues. Démontrez l'évangile en puissance. Avec des signes et des miracles
qui suivent. Nous allons aller après les perdus. L'esprit et l'épouse disent, viens. Nous sommes dans Monte ici. J'ai entendu une voix. Monte ici. Savez-vous ce que je dis? Dieu, Apocalypse 4, nous sommes montés dans l'esprit et nous regardons vers le bas, Et par révélation de ce message, nous voyons tout le livre de l'Apocalypse. Mais Apocalypse 10, alléluia, Apocalypse 10, l'ange est ici. Et Jean doit prophétiser à nouveau. Frère Branham a dit, Jean représente l'épouse. Lorsque Jean fut emporté, vous avez été emporté. Et lorsque Malachi 4 est venu, nous avons été emportés. Et Jean a vu tout le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu tout le livre de l'Apocalypse. Alléluia. Jean a entendu les tonnerres. Et nous avons entendu les tonnerres. Alors l'ange a dit, viens ici, prends ce livre, mange-le. Reconnaissez qui est ici aujourd'hui. C'est Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous sommes dans l'enlèvement maintenant, mais cette épouse doit prophétiser à nouveau pour des peuples, des nations, des langues. Avez-vous remarqué? Apocalypse 10, juste avant Apocalypse 11, la période de tribulation, cette épouse est commissionnée. Apocalypse 10, avant les coupes, les fléaux, cette épouse va prophétiser à nouveau. La voix de la trompette et la voix de l'archange. Nous y sommes. Alléluia. Dans la vallée, sur la montagne, Jérusalem est ma demeure. Alléluia. Down the valley, a mountain, Jerusalem is my home. Jerusalem is my home. Glory! Down the mountain, down the valley, Jerusalem is my home. Oh, sweet home, Jerusalem is my home. Oh,
a handshake. Well, up the mountain, down in the valley, Jerusalem is my home. Well, up the mountain, glory, hallelujah, hallelujah, shout, glory. The mountain, down in the valley, Jerusalem is my home. Well, up the mountain, down in the valley, Jerusalem is my home. Well, home, sweet home, Jerusalem. Well, oh, oh, my Lord, Jerusalem is my well. Up the mountain, down the valley, Jerusalem is my well. Up the mountain, mountain, down, down the valley, Jerusalem is my home. I'm going up, up the mountain, oh, and down, down the valley, Jerusalem is my home. Well, home, home, sweet home, Jerusalem is my home. Well, oh, home, sweet home, Jerusalem is my well. Up the mountain, down in the Lord, Jerusalem is my well. You take me up, take me up the mountain.
down in the valley, Jerusalem is my home. Well, oh, hey, sha, well, oh, oh, my home, home sweet home, Jerusalem, we gotta sing it one more time, up, up the mountain. Down the valley, Jerusalem is my home. I'm going up, up the mountain, Lord, you take me in the valley. Jerusalem is my home. Well, oh, home, sweet home, Jerusalem.